Il dit la police là pas un bout de terrain pour lui. Il dit la police là pas un bout de terrain. Et il dit la police là a délogé tout bandit qui a terrorisé population, kidnappé, serré en côté pour demander l'argent. Le directeur général là dit il est rentré village. Il a traqué bandit. Il a poursuivi bandit. Et la police là était là. Il a traqué bandit, il a poursuivi bandit et la police là prétend dans le village. Il demande population hein, pour continuer bail la police la bourade, continuer pour tes collaboration par pour nous porter une petite explication par la population hein, sur l'opération la police a menée dans le village de Dieu dans la nuit hier soir. Comme nous connaissons, la mission de la police censée protéger et servir la population. Depuis quelques temps, des bandits armés prennent le malin plaisir pour perturber le fonctionnement régulier de la population, hein, prend en otage des quartiers et des zones que nous prenons. Mauvaise habitude pour nous appeler des zones de nos droits. Et bien, sous commandement PAM, depuis quelques temps, nous voyons que la police a pris l'autre direction. La police a pris responsabilité pour protéger et servir la population. C'est la logique ça. Depuis quelques semaines, nous avons mené l'opération tout côté. Je connais comme espace que la police n'a pas 40. La police a gagné autorité sur tout territoire. Pas grand petit coin dans le pays que la police n'a pas 40 levée. Et c'est ça qui fait nous décider de rentrer au village de Dieu pour nous poursuivre, traquer bandits depuis quelques temps, à faire des ordres, kidnapper les gens, à le mettre en deux villages de Dieu. La police dit, faut que ça finisse. Nous rentrer, nous courir derrière eux et nous prêter pour nettoyer le village de Dieu. Donc, pour l'autre côté, qu'il y a kidnapper les gens, demander des populations à l'argent dans une situation difficile. Ce n'est pas seulement le village de Dieu. Il y a l'autre côté dans le pays que nous allons continuer de travailler. Dernièrement, il y a des bandits qui envahissent Wane 87. Policiers, commissaires, Kafouyo prennent disposition avec les mêmes moyens que ont gagné pour repousser les bandits. Nous allons continuer de faire travail ça tout restant. Jour dans le mois de décembre. Pour que la population, à l'approche des fêtes de fin d'année, qui a vaqué à l'occupation, pour finalement, pour en bas la ville, pas tout dans une zone que le monde n'a pas passé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et ne pas tolérer. Nous prenons toutes mesures et nous commençons à prendre mesures déjà avec le commandement de la police, là, avec unité spécialisée, pour nous rétablir l'ordre. Pour que le monde a commencé à sortir le soir, pour que à l'approche des fêtes de fin d'année, nous avons commencé à partager entre eux pour que l'État lui-même tout prenne disposition pour éclairer les zones, pour que Jean, président pays, CSPN, pour mettre la baille la police là et commencer à bailler la police là, tout appuyer pour le mettre l'ordre. Bandika fêté, pensez qu'il a fêté pendant 2-3 jours, 2-3 semaines. Mais il faut qu'il connaisse, faut que Bandia connaisse, durée de vie très courte. Durée de vie très courte, il a fait des ordres 1 semaine, 2 semaines. Mais la police là a toujours fait tout ça capable pour appliquer, pour exercer mission. Moi, je dis population, continuez à porter appui à la police. Jean Yoffel, dans le cas hier soir. Je demande à la population pour l'ordre qu'a rétabli, pour nous continuer, pour nous capables de vaquer à l'occupation. La police a besoin de rapport. La police a besoin d'informations. Et n'a pas besoin de peur par information. Parce que le plus d'informations que nous recevons, et c'est plus de zones que nous allons libérer pour nous reprendre le contrôle toute zone que y a dit de nos lois. Opération qui fait hier soir, là, c'est une dans une série d'opérations que nous avons commencé déjà, que nous avons continué à mener dans la zone métropolitaine pour le moment, pour nous permettre à la population de vaquer à l'occupation pendant la période fête Noël. Moi, je ne vais pas faire bilan. Bilan, nous-mêmes, nous allons faire le fête là. Le sorti dans la rue, la police avec nous. Nous allons faire effort pour nous plus présent dans la rue pour que nous sentions plus à l'aise avec la population. Quand il y a des zones armées dans la zone, nous courons, nous avons dans l'eau. La police a gagné façon pour reprendre le contrôle total du village là le plus tôt possible. Moi, je voulais faire précision ça avec les unités spécialisées que me présenter. Félicitations moi pour le travail qui fait hier soir, pour le travail qu'on continue à faire, pour que nous-mêmes, peuple haïtien, pour nous continuer à appuyer la police nous, pour nous reprendre le contrôle de la zone ça, pour que le petit pays qui vive en paix. Pendant la mettre l'ordre. Pendant qu'on a fait effort pour nous courir des bandits, pendant qu'on a fait effort pour nous bailler sécurité, ce n'est pas bandit seulement. Mais il y a un mouvement qui est le 609 là, qui n'est pas policier. Parce qu'un policier en uniforme n'a pas qu'à bouler machine. Un policier en uniforme n'a pas qu'à craser, briser,
nos villes. Je me dis, la police dans son job qui est noble. Principe nous, c'est loyauté, discipline, engagement. Donc, un monde qui pas qu'à, un policier qui pas qu'à suivre le principe ça, place lui, c'est dans l'autre institution. Même j'ai un bandit qui a kidnappé le monde, place yo, c'est l'autre côté. C'est pas le village de Dieu. C'est pas Belé. C'est pas Gravine très bientôt. Moi, dis-nous, nous pas, ouais, là, nous attendez, pas de monde qui a arrêté. Pas de monde qui a arrêté, nous attendez DG Adil là, dans la conférence, dans l'Ibadil. Pas de monde qui a arrêté, pas de monde tout qui stoppé. Ok? Là, je dis, pas de bilan. Mais moi, juste, voulais dire tête, moi, parce que, faut nous faire un bilan aussi pour nous faire plus, pour nous détailler. Il y a des gens qui critiquent ça que fait là. Oui, ou me poser question autour. Il y a des gens qui critiquent ça que fait là comme quoi pas gagne monde qui arrêté, pas gagne bilan, bah ça pas gagne monde qui stoppé. Après vous vrai bandi comme si bah conférence. Pas oublier la police nationale d'Haïti la prend trop côté côté gagne pile monde qui gagne gros âme. Parce que nous, les amis, même si nous pas forts, nous pas techniciens dans les âmes, mais nous, comme si nous avons gardé avec des grands genoux, nous, accepté plus de cela, nous avons gardé, nous, des outils. Ce n'est pas avec des mouns tout ou ni, ce n'est pas avec des mouns main vide, ce n'est pas wash moun yo gen main yo. Sous ta vle ko sa, ce n'est pas des manifestants. La police pour aller en face li. Qui pas des manifestants. Celle ça me pas souhaité et me pas quoi là ça. Pas de gain show off dans opération et me pas quoi à gain show off. Mais l'essentiel ça nous doit comprendre là aujourd'hui dans opération menée là aujourd'hui. Dans rentrer la police là dans village et si nous prend DGA au mot, il dit policiers ont arrêté pour nettoyer village. Pour population capable de vaquer à l'occupation. Et directeur général là qui dit. Ok? Et DGA qui dit. Et bien, je suis campé sur le terrain. C'est la police qui doit mener l'opération. Li. Ok? C'est la police qui a une stratégie d'opération. Qu'on y a, ça nous doit veiller tout simplement. Par le fait que la police là va retenir dedans, bandit n'a pas fonctionné dedans. Moun ki habitent dedans et après cherchent un gens pour jeter koy. Qui stratégie qui mettait en place pour éviter bandi yo quitter espace là pour pas le mettre pour aller mettre base yo l'autre côté. Un gros bagarre qui fait dans opération dans sac fait jodi a. Gen des moun qui t'attendent, gen moun qui stoppé, gen des moun qui t'attendent, combien moun yo arrêté, mais un gros bagarre qui fait qui gen quelque temps pas fait. Radio Omega. Et ça, c'est ça qu'on a l'encourager. C'est côté ça, nous devons encourager ça. C'est ça qui peut être satisfaction du directeur général de la police. Là. Vous gardez la parole. La police, là, village de Dieu, son côté que tu as abandonné. Ou bien son côté que tu as laissé à des gens qui ont des âmes illégalement. Non, mais yo. Et je dis à la police nationale d'Haïti, si nous voulons prendre au mot directeur général de la police, là, M. Léon Charles, yo présent police nationale là présent dans village police nationale là présent dans village et moi on bonne pas patrouille alors on bonne unité spécialisée yo déployé sous bicentenaire vous gardez la parole parce que automatiquement village là occupé c'est pour ça moi connais trop bien non automatiquement lui occupé par des unités spécialisées village là gagne va et vient qu'a fait une des spécialistes qui a fait monter descendre là plus ou moins ou qu'a essayé dans l'intervalle la police là lui-même la travail pour le définir mode d'opération pas policier nous doit quitter policier eux-mêmes ils fait travail yo. L'essentiel ils rentrer nous t'es toujours plein que ils pas jamais fait une intervention ils pas rentré. Mais je dis à au présent, selon le directeur général là, yo en dedans. Yo en dedans.
C'est vrai, des nègres disent, nous pas perdre moun, nous pas gagne moun qui blessé. Bon, est-ce que c'est ça que ton objectif la police là? Est-ce que l'objectif là c'est pas d'essayer prendre contrôle espace là? Boucan dit la parole. On dit c'est ça que ton objectif la police là, prendre contrôle espace là pour définir mode d'opération. Boucan dit la parole. Parce que d'accord. La police nationale d'Haïti, chaque policier ouais, ou après de la pour pays à sous doyo. Dans uniforme non, ou après de la pour pays à. Allez-y, des forces, notamment des gens qui sont illégales, des gens qui ont des armes illégales, mais la police la prison, ou est d'accord, ou prend en difficulté pour fonctionner dedans. Ou prend en difficulté pour fonctionner dedans. Est-ce que la police a des doués rentrer, les va être contrôle? Est-ce que c'est pas ça, Premier ministre, que vous dit, pour éviter dommage, l'autre monde pas victime? Et c'est ça, parce que depuis la police là-dedans, ils ont défini stratégie par eux, c'est quand on a défini eux, il n'y a pas arrivé. Parce que, ou vivent des mouns ou levés. Ou vivent des mouns ou levés. Ou vivent de l'argent à poter. Bah où? Bah qu'on est côté le sorti. Mais c'est ça, voilà. Sous près ça, Jean-Rébel Dorsena a une grosse responsabilité pour le jouer là. Parce que je regarde des âmes. Je regarde des âmes. Belle loulouse. Je ne sais pas si je dis belle loulouse là. Et pour moi, je ne sais pas non. Mais je regarde. Parce que j'ai nécessité pour Jean-Rébel Dorsena une explication. Une explication pour les bails. Parce qu'il parlait de 11 familles. Cap Vanzaman dans le pays, je crois important pour Dorsena. On joue quand même, il parle de famille Sayo, Cap Vanzaman dans le pays. On joue quand même pour Dorsena, il parle de famille Sayo, Cap Vanzaman dans le pays. Parce que, soit travaille pour l'État, soit travaille pour l'État. Ou pas arrêter et puis et baron escopé pression qui sont gagné ou nommé par un arrêté présidentiel non tête en commission présidentielle j'ouvre le comme ça et puis on va garder les amis mais on pas veut sous-estimer personne parce que on connaît moun yo mais on va garder les amis d'accord moun sa ou pas gagne quantité l'argent pour acheter les armes ça moi gros belle baise ça moi bel si baye sa ou mwen, moun, si précarité n'ap di moun village a vivre là-dedans, si ou si se ou kache zam za ou, comme si sa n'ap di, n'ap baye tête nou menti. Ok, n'ap baye tête nou menti. Donc, police nationale a li même li présent nan village là, n'ap tan yo, nou très patient, puisque sa n'bezen, c'est la paix qui retourne en dan pays.